3. Vanessa et Olivier Sauvaget, jeunes éleveurs avec déjà pas mal de succès d'ailleurs. La bédellerie a commencé. Ombré dans le jour désormais. Qui est dit de Olva? Olva, c'est Olivier et Vanessa. Par Mondoro. Ah, Mondoro. On est bien Mondoro. La mère Odile. Odile, dont on se rappelle bien, cette jument grise, presque blanche, gagnant du prix des Guillemines, à 3 ans sur l'hippodrome de Dortal, et lauréate aussi d'une épreuve importante à Vichy, hein, c'est le prix des Malavaux, et déjà mère de 10 avril, à Malavaux, gagnant d'Easton à Market Risen en Angleterre. C'est Zouche tout entier, puisque c'est la famille de Triolo d'Alène, le gigantesque Triolo d'Alène, on va pouvoir faire marcher. Il peut marcher, Olivier. Oui, Triolo d'Alène, donc c'est Florence et Louis Coutoudier qui nous font l'honneur de sa présence, de leur présence, avec une forte délégation nivernaise, venue en masse, tout comme les gens de l'Est d'ailleurs. Ils ne rateraient jamais un événement. Pouliche avec 4 Valzins dont je n'ai pas dit la date de naissance, le 9 avril. Kelly Dolva, elle est le 9 avril. La sœur donc le 10 avril par Mondoro. Mondoro, c'est vrai qu'il était quand même très étonnant, Mondoro, parce qu'il était capable de faire aussi bien à quelques semaines d'intervalle sur le Mans et le Dup, sur les 1600 mètres du prix Jacques Lemarois l'été à Deauville, et un mois plus tard s'imposer tout aussi facilement sur les 2400 mètres, ce n'est pas indiqué dans le catalogue, mais c'est le cas, du prix Foix, 2400 mètres du prix Foix. C'est malheureusement blessé, Mondoro, lors de cette victoire, et il n'a donc pas pu participer au prix d'Arc de Triomphe, dont il aurait été l'un, sinon le favori. Mondoro, qui est qui a une vraie carrière d'étalons, c'est un mec qui a une vraie carrière d'étalons, on n'entend pas, qui a le grand obstacle. Comme ça qu'on compte notamment par Paranari, et puis Porto Polo, qui n'était absolument pas des pour sauter, mais qui se l'a fait de François Nicole, a réussi une grande carrière d'obstacle. Quel est le vin présenté par Vanessa et Olivier Sauvaget. À Mondoro.